Et salut à tous, c'est Kirito de Châtelain de France. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Memory Defrag. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir juste au-dessus, j'ai 252 Memory Gammon. Donc, comme je l'avais dit, je vais invoquer sur le portail du nouveau UGO et de la nouvelle Alice. Donc, aujourd'hui, ce sera une vidéo portail scout. Je vais vous aussi renseigner un petit peu sur mon avancement sur le ranking, parce que certains me l'ont demandé il n'y a pas très longtemps. Donc je vais vous montrer. Donc j'ai farmé un peu hier. J'ai réussi à mieux améliorer mon score hein, de ce que j'avais fait en live précédemment. J'ai réussi à faire un perfect. Donc j'ai réussi à avoir mon, disons, un bon score. Voilà. Par contre, je suis un peu dégoûté parce qu'il manque juste 3000 points et j'arrive pas à faire plus rapidement pour choper la médaille d'or dans l'émission. Donc pour l'instant ça va, j'ai 5000 points, 50 000 points d'avance, voilà. Ouais, c'est à 50 000 points d'avance. Il manque juste 30 000 points, là, c'était ça qui manquait. Ça, 30 000 points. Voilà. Oui, c'est ça, 30 000 points juste pour avoir les... Donc c'est pas grand chose, hein. Il faudrait que je fasse peut-être en 3-4 secondes de moins. Donc là j'ai fait en 1 minute pile avec Asuna Princess sinon Maid et Asuna Ordinal Scale, voilà. Donc c'était un bon score, hein. Je suis 3ème, si ça reste jusqu'au bout là, parce que comme vous pouvez le voir hein, c'est le dernier jour aujourd'hui, donc il reste que 14h, si ça reste comme ça jusqu'au bout, que je reste 3ème, logiquement on pourra dans les récompenses se faire un nouveau tirage médaille d'or, ce qui nous permettrait... Donc, d'avoir une nouvelle 4 étoiles parmi celles qu'on devra choisir, parce que là je vais choper 5 médailles d'or du coup. Et on aura aussi pas mal de médailles, bon, on peut aller voir dans le médaille scout ici. Hein. On aura donc en plus médaille d'argent et médaille d'or, médaille de bronze. Donc, j'en suis à 7 médailles d'argent plus 20 médailles de bronze. Donc, on va. Et encore, j'ai même pas fini, il faudra que je le fasse tout à l'heure. J'ai même pas fini, comment on appelle ça, les points que l'on fait lors du ranking pour gagner des récompenses. Donc ce qui me fait qu'il me reste encore, ici, score reward, il me reste encore, vous voyez, encore pas mal de médailles de bronze à choper, quelques médailles d'argent et une dernière médaille d'or. Donc j'aurai de quoi faire une vidéo récompense avec pas mal de tirages... Surtout avec la récompense en plus du ranking. Hein, parce que si je reste 3ème, on récupère de nouveau 10 médailles d'argent et 10 médailles d'or. Non, ça c'est le 2ème, c'est ici, voilà. Donc c'est pareil de toute façon, 10 médailles d'argent et 10 médailles d'or en plus. Ce qui nous permettrait de faire pourquoi pas peut-être 4 invocations bronze, peut-être 2 ou 3 invocations argent et une invocation or. Ce qui est plutôt pas mal. On pourra peut-être choper du 4 étoiles dans ces portails-là qui pourront peut-être... être utile par la suite. Donc voilà, donc ça c'est tout pour ça. Maintenant on va s'attarder à ce que je voulais faire, donc c'est à dire la vidéo scout sur le portail Alice et UGO, donc le portail Aliceisation, hein, Integration Beginning. Donc ce qu'on va faire, c'est que jusqu'à présent j'ai fait que des singles, ça m'a porté chance, donc je vais continuer sur les singles. Si je vois que j'aurais rien eu en single avec donc sur ce portail là on n'a rien eu, ce que je ferais, c'est que la prochaine fois que j'aurai 250, on repassera sur une multi pour voir si la chance sur les multi n'est pas revenue. Donc jusqu'à présent j'ai eu 2-4 étoiles en donc sur deux portails différents, hein, donc sur le portail princesse où j'avais assuré la princesse et sur le portail maid que vous avez dû suivre en live et que j'ai remis d'ailleurs en vidéo, hein, où j'ai eu sinon maid, voilà. Donc voilà. Ensuite, donc, y a, si vous voulez invoquer, pas invoquer sur le portail Aliceisation, vous avez aussi le portail Rate Up Scout, c'est-à-dire plus de chances d'avoir les personnages ici-là, parmi la bannière, et sinon la bannière principale où tout le monde est, a autant de chances de tomber. Voilà. Donc, après, la dernière Ordinal Scale, qui est très bien si vous n'avez toujours pas de personnage Ordinal Scale, hein, je vous conseille vivement. Voilà, et ensuite les armes. Hein. Si on arrive à avoir un bon personnage dans les singles, on essaiera de choper l'arme de UGO. Parce que moi je vise Alice aussi, donc essayons de voir. Maintenant si on chope l'autre UGO, on essaiera quand même de choper l'arme, ce serait toujours, pas, toujours sympathique. Mais en espérant avoir Alice, qu'il me manque vraiment un personnage terre
dans mon équipe. C'est vraiment un bon personnage terre qui me manque, donc qui pourrait m'aider quand on a des missions sur les faiblesses. Donc voilà, donc allez, c'est parti, on commence avec le premier essai single sur le portail Scout Alicization Integration Begin. Donc on commence, c'est parti. Alors, ici, pas de sourire pour commencer, donc ce sera une 2 ou 3 étoiles, donc 2 étoiles minimum, hein, quand il n'y a pas de sourire. Et ça peut aller jusqu'à 3 étoiles, donc ce sera 3 étoiles, parfois peut-être 4, je ne sais pas, non, voilà. Ok, donc on commence avec Alicia, donc Alicia 3 étoiles. Donc on ne l'avait pas celle-là apparemment, donc pas de cristal hacking pour ce petit coup-là. On part sur le deuxième coup, c'est parti, deuxième coup, et non, elle ne sourit pas. Donc, ce sera une 2 ou 3 étoiles, hein, bien sûr, en général c'est ça. Je ne sais pas si quand elle ne sourit pas comme ça, est-ce qu'on aurait le droit à une 4 étoiles, je ne pense pas. Donc ce sera une 3 étoiles encore une fois, Curadil que j'avais déjà, donc 2 cristal hacking. Ensuite, on est reparti, ici. Hop, allez, souris, non, et toujours pas de sourire, ni d'étoile. Des fois elle sourit pas, mais si elle a les étoiles, ça fonctionne. Donc ici, non, toujours pas de sourire, donc ce sera une 2 étoiles avec Argo. Argo 2 étoiles que j'avais déjà, donc ce sera un cristal d'acquis. On continue, quatrième, et ça sera un petit sourire, mais il n'y a pas les étoiles, c'est dommage. Ce qui fait que ce sera une 3 étoiles minimum, mais ça peut peut-être se concrétiser en 4, peut-être, je ne sais pas. Je ne pense pas. Non, voilà, encore Curadil. Donc Curadil, ce qui nous fera encore 2 cristal d'hacking. On les continue. Allez. Cinquième coup. Et non, pas d'étoile. Donc ce sera 1, 2 ou 3 étoiles minimum. Et ce sera donc du coup 1, 2 étoiles. Yulol. Donc 1 cristal d'hacking. Je l'avais déjà parce que Yulol, on l'a souvent dans les portails, hein, comme vous savez. On continue. C'est parti. Et non, toujours pas de 4 étoiles à l'horizon. Et ce sera donc une 2 ou 3 étoiles, hein, toujours. Donc ce sera une 2 étoiles, et sinon que j'avais déjà. Donc encore un cristal hacking. Au suivant. Alors, au suivant. Et non, toujours pas. Donc ce sera une 2 ou 3 étoiles toujours, hein. Asuna. Asuna 2 étoiles, ok. Le suivant, donc là il nous reste plus que 2 coups. Ah là, 2 coups, ça se complique là, hein. On l'aura peut-être pas, et non. Ah, il n'en restera plus qu'un seul et unique coup juste après. Donc apparemment ce sera pas pour aujourd'hui, je pense que ma chance c'est un peu fini. Donc ce sera 5 heures, donc un cristal de hacking en plus. Et enfin, donc il reste encore 2 coups là, il n'y a pas celui-là, voilà, c'est ça, 2 coups. Alors attention. Ici, non, il n'y a pas les étoiles. Elle sourit, mais il n'y a pas les étoiles. C'est dommage. Ce sera un 2 ou 3 étoiles, hein, comme toujours. Voilà, hop. Donc, ce sera 3 étoiles, mais je l'avais déjà. Voilà. Et enfin, donc, le dernier coup. La dernière invocation. Croisons les doigts. Allez, 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 allez. Et bah non. Voilà, donc il n'y aura pas de 4 étoiles pour aujourd'hui, donc on peut pas toujours en avoir une. Hein. Donc la chance est retombée, hein, comme on dirait. Donc ce qui veut dire que si je récolte à nouveau les 250, on partirait cette fois sur une multi pour tenter, voir si la chance ne tournerait pas un peu plus sur la multi cette fois-ci. Voilà. Bah du coup, je vous en dis pas plus, hein. Il n'y a pas grand chose à faire. N'oubliez pas d'aller faire aujourd'hui votre quête spéciale Kirito. Moi j'ai déjà fait, j'ai pas pu tout avoir les Memo Gems parce que j'ai pas des Kirito ultra ouf. Mais n'oubliez pas d'aller faire votre quête spéciale qui est juste là, je vais vous la montrer. Hein. Juste ici. Alors attendez. Voilà ici. Voilà ici. Donc j'ai pas fait de vidéo dessus parce que voilà, je savais que j'allais pas aller jusqu'au bout. Donc j'ai personnellement moi, j'avais pas de Kirito Ordinal Scale. Donc j'aurais le Kirito Ordinal Scale, j'aurais pu aller jusqu'au bout. Mais ce que j'ai fait simplement, c'est bon, j'ai réussi à faire aller jusqu'au bout, mais j'ai pas utilisé d'outil parce que forcément j'ai mis plus de temps qu'il me demandait. Donc forcément j'ai pas eu le grade de temps et le grade en ayant fait le plus vite possible. Voilà. Donc voilà, donc les teams que j'ai utilisés, donc c'était, donc je vais vous montrer, hein, solo. Donc moi j'ai utilisé, voilà ce que j'ai utilisé. Donc le Kirito Aelo ici, le Kirito Esao et le Kirito,
le Kirito Fairy Dance. Voilà. Donc je leur ai mis tous les équipements les plus ouf possibles pour faire un max de dégâts, bien sûr. Hein. Et ça m'a emmené. J'ai réussi à les tuer tous jusqu'au Master plus 1, mais comme vous pouvez le voir, c'était plus lent forcément parce que ça tape pas très fort comparé à des Ordinal Scale. Voilà. Donc n'oubliez pas d'aller faire cette mission parce qu'elle est encore bonne là que 14h, donc toute une journée. Ce qui veut dire que demain, vous ne l'aurez plus. Et il y a quand même 50 Memory Diamonds à choper sur cet événement, si vous avez bien sûr tous les objectifs. Voilà. Donc c'était Kirito, je vais vous laisser. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo si ça vous a plu. Je vous dis à plus, salut!